Kovacic qui est en train de placer sa défense. Lorsqu'Otteron vient donner, c'est... Oh, c'est fantastique, c'est une reprise magnifique. Elle est superbe. Et j'avoue encore que je suis en train de chercher qui a bien pu marquer. Nous allons revoir ça par Lorsqu'Otteron. Serait-ce Hofkens? C'est bien possible. C'est Hofkens qui a surgi là et qui vient de marquer. Effectivement, donc 1-0 pour Anderlecht, c'était absolument superbe. Nous en sommes à Stojanovic. Brill, bien parti, Brill. Toujours Brill, accroché fautivement, c'est pénalty. C'est pénalty. Un pénalty absolument indiscutable sur ce contre-là provoqué par Lorsqu'Otteron. Brill, regardons-le encore, il passe bien. Et là, le retour est tout à fait possible. Nous allons voir cela. Regardez, le coup de pied dans les jambes, il n'y a pas de problème. Il y a le pénalty. L'arbitre ne pouvait absolument pas faire autre chose que accorder ce pénalty. Et je suppose que c'est Lozano qui va tirer, le spécialiste. C'est un pénalty qui est évidemment extrêmement important, disons qu'il vaut de l'or. Très crispant, je s'assure, ça ne doit pas impressionner. Lozano qui part. Arrêt, là là. Un arrêt de Simeunovic. Oh, c'est dangereux, il y a de Greffe qui va pouvoir reprendre. Penalty. Un penalty de l'autre côté, oui. Pour une faute commise sur Savic. Nous avons déjà largement dépassé les 45 minutes réglementaires, donc l'intervention fautive de De Greiff, ça va peut-être permettre à l'étoile rouge d'égaliser. Vous voyez comme quoi le football est une chose qui peut complètement changer en l'espace de quelques minutes. Il y a quelques instants à peine, c'était Anderlecht qui bénéficiait d'un pénalty. David va tirer. C'est lui en tout cas qui vient de placer le ballon. Munaron. Encore un moment d'angoisse aussi. Je rappelle qu'on peut prolonger les mi-temps ou la fin d'un match pour tirer le pénalty. Savic. Et il marque, il égalise donc à la 47e minute. 1-1 par Savic. Ça nous promet une deuxième mi-temps qui ne va pas être piquée des verres. Nous voyons cela. Munaron était parti de l'autre côté. Ça, vous savez, il faut toujours... prendre un coin. Gardien de but, et ça c'est ça. Et que donne l'arbitre, un coup franc ou un coup de coin? À mon avis, il y a coup de coin. Bien, vous voyez qu'Anderlecht fait beaucoup mieux que se défendre. On va même dire franchement que pour l'instant, il a le match en main. Lozano va peut-être essayer de rééditer le coup du parc Astrid, ce ne sera pas facile parce qu'il n'y a pas de vent. Et Simeunovic vient de rater sa balle, c'est goal. Et c'est goal et c'est Lorsqu'Otteron qui vient de surmonter tout le monde. J'espère que, oui, que je ne me trompe pas cette fois-ci, que ce n'est pas à nouveau Hofkens. De toute façon, ça fait un deuxième but. Non, non, je crois bien que c'est Lorsqu'Otteron. Nous allons voir ça, c'est remarquable d'intelligence en tout cas. Eh bien, je suis tellement loin que je ne suis même pas capable d'être sûr de qui a marqué ce but. En tout cas, ça fait un deuxième but maintenant.